musiciens, musiciennes, c'est Musicalem et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va voir la gamme de Do dièse majeur au saxophone alto. Allez c'est parti! Juste avant que le tutoriel ne commence, je tiens à m'excuser de cette longue absence sur YouTube. J'ai été pas mal de temps absent. Voilà, je vous explique pourquoi, tout simplement parce que j'avais des examens et parce que j'avais pas mal de taf pendant les journées et le soir je devais réviser. Et puis je pensais à autre chose, j'avais d'autres amis que je devais aller voir, ça faisait longtemps que je les ai pas vus. Et puis en plus j'avais des projets en bois chez moi à faire, donc j'étais pas mal occupé ces derniers temps et je m'en excuse par avance, vraiment désolé. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la gamme de Do dièse majeur au saxophone alto. Donc je vous joue la gamme une fois et après je vous montre les doigtés au saxophone sur l'instrument. Donc dans la gamme de Do dièse majeur il y a tous les dièses sur toutes les notes. Donc je vous fais la gamme, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et toutes ces notes là sont dièses. Donc on va commencer par le Do dièse, grave ou médium, c'est comme vous voulez. Donc on va commencer par le Do dièse grave. Donc pour le Do dièse grave, c'est très simple. Vous mettez vos trois doigts du haut, enclenchés, 1, 2, 3. Et trois doigts du bas, 1, 2, 3. Et vous allez fermer cette clé-là avec votre annulaire. Plus, avec l'autre annulaire de la main gauche, vous allez appuyer sur cette clé-là juste ici. Hop. Ça fait le Do dièse. Ensuite on a le Ré dièse. Donc le Ré dièse c'est comme le Ré, les trois doigts du haut, les trois doigts du bas, plus avec l'annulaire, la petite clé juste au-dessus, celle-là. Vous la laissez appuyer. Ça fait le Ré dièse. Ensuite on a le Mi dièse. Le Mi dièse c'est comme le Fa. C'est très simple, vous mettez vos trois doigts du haut et avec l'index, vous appuyez sur la première clé du haut. 1, 2, 3. Celle-là. Hop, le Fa. Ensuite, on a le Fa dièse. Donc le Fa dièse, 3 doigts du haut. Avec le majeur, vous appuyez sur la clé du milieu. Ici, juste ici. Fa dièse. Ensuite, on a le Sol dièse. Sol dièse, les 3 doigts du haut. Plus avec la petite clé ici, avec votre annulaire, vous allez appuyer dessus. Ça fait le Sol dièse. Ensuite, on a le La dièse. Donc, le La dièse, c'est comme le Si bémol, c'est pareil. Vous appuyez avec votre index sur cette petite clé là. Et juste en dessous, vous avez une petite clé blanche ici. Et bien, vous allez appuyer sur les deux en même temps. Ce qui fait le La dièse, ou Si bémol si vous voulez. Ensuite, là, on a le Si dièse. Donc, le Si dièse, c'est comme le Do. C'est facile. Le majeur. Avec le majeur, vous appuyez sur votre clé du milieu. Le majeur. Hop, c'est tout. Ensuite, on a le Do dièse. Donc le Do dièse, c'est très facile. Vous ne touchez à aucune clé, sauf à la clé d'octave si vous faites dans l'aigu. Donc c'est très simple, la clé d'octave, c'est celle-là. Hop. Vous appuyez là-dessus, ça fait le Do dièse soit à l'aigu. Et si vous laissez tout à l'air libre, et ben ça fait le Do dièse normal. Donc je vais vous rejouer la gamme de Do dièse majeur pour que vous l'ayez bien en tête. Et je vais vous jouer aussi à la fin l'arpège de fin. Ça donne ceci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, n'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner, en n'oubliant pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Allez sur ce, j'arrête de parler, je suis vraiment désolé pour cette absence, et puis je vous souhaite bon courage et à bientôt. Allez salut!